Dans 5 jours exactement, mesdames et messieurs, la commission mixte d'enquête sur les manifestations survenues dans la capitale le 21 janvier dernier devra rendre son rapport au ministère des Droits humains, parce que c'est la ministre qui a signé finalement cette décision de mettre en place cette commission pour enquêter, faire la lumière sur ce qui se passait à travers la République démocratique du Congo ce dimanche du 21 janvier 2018. Et 5 jours seulement pour terminer les travaux. On va en parler au long de cette émission. Le pape François, qui a demandé l'intention d'une messe en République démocratique du Congo le 23 février prochain à l'opposition. Finalement, 50-50, c'est un partenariat entre l'opposition et l'Église catholique. C'est ce que disait le secrétaire général de l'UDPS dans une interview accordée à notre consoeur Sylvie Bongo, que vous avez suivi. On va en parler tout au long de cette émission. La maison Schengen fermée, les ambassadeurs qui demandent l'ouverture d'un dialogue avec le gouvernement congolais et finalement le processus électoral. Quid de la participation de tous les acteurs au processus électoral? Doit-on toujours y croire? La machine à voter, la CENI continue la sensibilisation. Voilà un peu, on va dire, les grandes lignes de ce nouveau numéro du magazine Noticias sur les antennes de Numérica Télévision. Bonsoir à vous, merci de votre fidélité. Et pour parler de cette question, nous allons de ces questions, de ces sujets, je reçois deux invités aussi, Albert Dieka, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes le secrétaire général adjoint de la Convention des Congolais Unis, le parti cher au ministre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Vous êtes en même temps communicateur de la majorité présidentielle. Merci. Et pour co-débattre avec Albert Dieka, Billy Kambalé, de la Ligue des Jeunes de l'Union pour la Nation Congolaise, il est président de la Ligue des Jeunes de l'UNC. Billy Kambalé, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Président de la Ligue des Jeunes, déjà qu'il y a des voix qui s'élèvent pour demander au président des Ligues des Jeunes de quitter des Ligues des Jeunes parce que vous servez justement des marchepieds au président des partis et qu'en réalité, vous n'obtenez rien, créer des partis pour des jeunes. Ceux qui disent ça, je crois que c'est un déficit non seulement de la connaissance de l'environnement sociopolitique de notre pays, mais aussi ce sont des gens incapables de s'affirmer dans des grands ensembles. Lorsqu'on est dans la genèse d'un parti politique, on est en train d'apprendre auprès des aînés et chacun, c'est par rapport à ses aptitudes qu'il arrive à s'imposer en tant que tel. Je voudrais vous rappeler en Afrique du Sud, Julius Malema, qui est aujourd'hui président d'un parti politique, a commencé d'abord en tant que jeune d'un parti. Il était président de la Ligue des Jeunes en Afrique du Sud. Et donc, l'environnement sociopolitique de notre pays démontre clairement qu'il y a d'un côté les jeunes et de l'autre côté les femmes. Ce sont à eux seuls constituent plus de 85 à 90% de l'électorat, mais aussi du dynamisme de notre société. Mais que gagnent en retour ces jeunes? Parce que ce sont eux qui travaillent, parce que c'est vous qui travaillez dans les partis politiques. Qu'est-ce que vous gagnez exactement? Non, le problème... Est-ce que les jeunes se retrouvent, ou quand il faut partager le butin, ce sont les vieux qui se retrouvent? Le problème, justement, c'est à ce niveau. En fait, ceux qui sont en train de critiquer le fonctionnement des Ligues des Jeunes, ce sont ces ventriotes, si je peux dire ça, qui voient en tout et pour tout que c'est un gâteau qu'il faut partager. La République n'est pas un gâteau. Lorsqu'on fait de la politique, c'est du sacerdoce. Moi, quand je me suis engagé en politique, en tout cas, ce n'est pas pour des postes, sinon je serais à la majorité présidentielle. Je me suis engagé parce que je pense que le pays va mal et je peux apporter ma pierre à l'édifice. Mais, et je voudrais chuter par là, la politique, comme disait Adolf Hitler, c'est envie de servir la communauté. C'est tout homme qui est porteur d'un destin pour servir la communauté qu'on peut appeler homme politique. Et donc, moi, quand j'œuvre au sein de la Ligue des Jeunes, ce sont les aptitudes personnelles et ces compétences personnelles qui propulsent quelqu'un à un niveau ou à un autre. Mais nous commençons comme cadre de base, on évolue, on est président de la Ligue des Jeunes, demain on sera secrétaire général, ainsi de suite, c'est une évolution. Et je voudrais dénoncer de la manière la plus ferme
ce comportement des gens qui veulent s'infantiliser. Être président ou appartenir à une ligue des jeunes, c'est tout simplement un concept qui veut faire voir que la jeunesse, c'est la vitalité, c'est la jeunesse qui produit l'énergie. Mais en réalité, les jeunes ne gagnent presque rien, parce que c'est eux qui font le grand travail dans les partis politiques, Albert Dieka, quand il faut faire des campagnes, quand il faut mobiliser, quand il faut chercher des adhésions, ce sont les jeunes qui travaillent, les vieux, ils sont pas fatigués, mais bon, les vieux ne travaillent pas comme les jeunes, ils sont encore fraîches avec, voilà, etc. Mais en réalité, à quoi servent ces ligues des jeunes dans les partis politiques? Est-ce qu'il faut absolument des ligues des jeunes? Permettez-moi d'abord de me saisir de votre micro pour exprimer mes vives condoléances vis-à-vis de la famille de notre initiateur Kamal Lambert Mendo Malanga qui a perdu sa maman et dont le corps arrive ici de Bruxelles jeudi, et aussi à tous les camarades de la Convention des Congolais Unis. Et je crois que d'ici, nous allons avoir le programme. Madame, vous voyez comment les néophytes en politique définissent certains concepts qui sont de leviers mobilisateurs dans les structures de partis politiques. La catégorisation selon jeunes, vieux, femmes, ceci, ça n'a aucune importance. Et cela a une connotation négative quand on définit lutte comme butin. Donc, Billy l'a dit, non. Ligue des jeunes, c'est un état d'esprit. Il y a des jeunes plus vieux que les vieux. Il y a des vieux aussi plus jeunes que certains jeunes. Donc, ce sont des valeurs. Ce sont des structures, d'ailleurs, qui ne sont pas statutaires, mais ce sont les mécanismes de mobilisation, mécanismes d'infusion du nouveau sang dans le mental, dans le citoyen. Et je n'ose pas croire qu'il faille définir Ligue des jeunes de cette manière-là. Selon être jeune, ce n'est pas une qualité. Être vieux aussi, ce n'est pas une qualité. Il y a des vieux idiots, il y a des jeunes mercantiles. Non, il ne faut pas voir sous cet angle-là. Sinon, ça serait prêcher la paresse des gens qui croient qu'il faut porter une belle veste, venir parler des jeunes, tout comme des femmes. Je ne vois pas en cela. Quand la femme de Moulélé qui a composé des poèmes, quand la femme de Moulélé, par exemple, l'élite des jeunes, ça n'existe pas. Quand la femme de Moulélé va composer le poème Les Sèmes d'ennemis dans le plateau de Mayombe, et ce poème va galvaniser les énergies de femmes en 1963-64, est-ce que vous allez me dire que cette femme a été à l'université? Non. Est-ce que pouvons-nous nous interdire de valoriser ces qualités de cette femme-là qui n'a même pas été au banc de l'école? Non. Donc il ne faut pas voir Ligue de femmes, Ligue de jeunes. Ce n'est pas par rapport à la définition classique. C'est par rapport à l'intériorisation des valeurs que prêche le parti politique et le moyen de faire passer ces enseignements dans le tissu sociologique. Alors, le premier sujet, c'est la commission mixte d'enquête sur les manifestations du 21 janvier à travers la République et à Kinshasa. On a décrit des morts, encore des morts ce jour-là, la marche qui a été réprimée sur l'étendue du territoire national, des morts qui viennent rallonger la liste des Congolais déjà qui ont perdu la vie ces trois dernières années, on va dire, ces trois dernières années, à travers tout le territoire national, justement à cause des marches réprimées. Billy Kambalé, commission d'enquête mise en place, une commission qui va regrouper entre-temps les délégués du ministère des Droits humains, de la justice, la Commission nationale des droits de l'homme, Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, l'Union africaine, mais également les organisations de la société civile. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'opposition, de cette commission d'enquête? Parce que l'UNC a également perdu un de ses communicateurs. Je voudrais d'ailleurs en profiter encore une fois pour vous présenter mes condoléances les plus sincères à la famille biologique et à toute la famille politique de M. Hussein Gandou que nous avons porté en terre la semaine dernière. Et je voudrais encore une fois condamner ces violences, cette barbarie, cette brutalité que le régime en place a instaurée pour répondre à des manifestations pacifiques. Maintenant, pour rebondir par rapport à votre question, qu'est-ce que nous attendons? Nous n'attendons rien, bien sûr, parce que nous savons très bien que c'est du saupoudrage. En fait, en réalité, le régime de M. Kabila est en train de chercher par tous les moyens à éviter une enquête internationale qui aurait des conséquences fâcheuses, non seulement sur eux-mêmes, sur leur famille,
et surtout sur les responsables des services de sécurité qui sont déjà pour la plupart frappés par des sanctions au niveau de l'Union européenne, au niveau des États-Unis et par-ci par-là. Et donc, ils sont en train de chercher à éviter ou à escamoter une commission d'enquête internationale qui rétablirait les faits et dont les conséquences seraient tragiques pour les régimes. Donc, nous considérons que c'est une mise en scène qui ne produira rien. Et je suis désolé que Mme Ouchobekwa, ce soit ça le rôle qu'il se donne, de faire l'avocat d'un régime qui est en train de massacrer les Congolais. Et donc, moi, je suis... je ne peux même pas dire que je suis pessimiste. Je ne crois pas en cette commission parce que nous savons très bien qu'il y a eu autant d'enquêtes initiées, jamais des solutions où jamais personne n'a été puni, justement parce que le régime de Kabila, c'est un régime d'impunité. C'est un régime qui a consacré la brutalité comme seule réponse à toute revendication pacifique du peuple. Albert Dieka, est-ce qu'il faut y croire? Parce que les exemples sont légions, le charnier de Maluku, Kamuina Nsapu, il y a eu les événements du 19 janvier 2016, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, pas toujours des conclusions. Celle-ci, cette enquête, en fait, cette commission mixte qui a été mise en place, vous-même, est-ce que vous pensez qu'elle peut aboutir à quelque chose? Madame. Et établir finalement les responsabilités. Poser la même question à un journaliste de type sensationnel, il vous dira le temps qu'il souhaite qu'une enquête aboutisse. Poser la question à un politique comme Billy Kambale, il vous dira qu'il a son temps préférable pour qu'une enquête... Mais poser la question aux techniciens de droit pour qu'une enquête se fasse. Ils peuvent même souhaiter que ça continue pour que quand les solutions, quand les résolutions vont se... Quand les décisions seront prises, ça sera alors des décisions irréfutables. Mais cette commission a 10 jours pour statuer. Oui. 10 jours. Oui. Du 1er au 10 février. Parce que dans notre pays, on met toujours les choses dans un carcan. Vous voyez les événements auxquels vous citez, que ce soit Kamuina Nsapu, que ce soit ceci, que ce soit cela. Mais il y a des gens qui sont condamnés, il y a des gens qui sont entrés, la procédure est en train de continuer. Moi-même, je vais vous faire une surprise peut-être. J'étais le 21 à Goma. J'étais dans la cathédrale à Goma. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Les chrétiens sont venus. Après avoir prié, il y a des chrétiens qui ont émis le vœu de rentrer chez eux. Et ils se sont vus empêchés par un groupe de jeunes agitant les drapeaux des partis politiques. Le prêtre lui-même a fait commencer à sortir. Ce sont les jeunes gens de Lucha et de Filimbi qui sont allés prendre le prêtre en train de séquestrer. Et les agents de la MONUSCO étaient là. J'ai vu une panoplie de caméras de tous les systèmes des Nations Unies là-bas. Est-ce que c'est cela, quand on invite le politique actif dans le sanctuaire de Dieu, qu'on offre comme sanctuaire aux hommes politiques? Est-ce qu'il faut aussi explorer de ce côté-là pour qu'on cherche qui sont les véritables responsables des tueries que je déplore? En 10 jours, que ça je peut déplore. Être établi en 10 jours. Madame la ministre a estimé que la commission des spécialistes peuvent travailler dans 10 jours. Ce n'est pas exclu que les techniciens, les enquêteurs, faire face à aboutir leur travail dans 10 jours ou au-delà de 10 jours. Ne donnons pas à nous nos prétentions pour dire, pour qu'une enquête soit meilleure, il faut qu'elle soit conclue dans 24 heures, dans 72 heures. Pourquoi pas une enquête internationale? Peut-être une enquête internationale. Mais, Parce que vous parlez souvent, c'est comme si enquête pour être enquête doit être internationale. Vous voyez ce qu'on a infusé dans notre sang, madame. Et nous qui parce sommes que pour de nouvelle génération. C'est une façon d'éviter une enquête internationale. Cet infantilisme colonial, là. Hein, cette volonté-là de ne pas s'affranchir soi-même, de croire toujours qu'on est éternel enfant. Nos juristes ne sont pas des juristes. Nos économistes ne sont pas des économistes. Un économiste, un juriste, c'est celui qui est parti fréquenter l'école des Blancs à l'extérieur du pays. Cessons de nous faire insulte nous-mêmes. Vous êtes ici en train d'arbitrer un débat de qualité avec mon frère Billy. Mais est-ce que je peux dire, comme d'autres pensaient, qu'une femme ne peut pas débattre de sujets politiques, qu'une femme est seulement pour la cuisine? Aujourd'hui, nous acceptons que vous êtes une journaliste de qualité, que vous êtes en train de chercher à confronter les idées. Cessons cette histoire-là de croire que si c'est Mme Mouchobi qui parle, c'est une dame inférieure à une dame blanche. Non.
Faisons confiance à nos frères, nos sœurs qui ont étudié, qui font partie aussi de cela. Vous avez cité les différentes catégories qui vont faire appel, qui vont faire partie de cette commission d'enquête. Et tout ce monde-là seront des idiots. Laissons le temps au temps, le temps de l'enquête n'est pas le temps de prendre la craie pour enseigner aux enfants 1, 2, 3. Laissons le temps, pourquoi ne pas croire? Pourquoi nous fétichisons? Pourquoi Béli voit par une sorte de divination que ça n'aboutira pas? C'est ça, nous jetons de l'opprobre sur notre pays. Le problème, c'est aussi pour certains, c'est sanctionner les coupables, parce que depuis, ce n'est pas la première manifestation qui a été réprimée. Vous savez, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu autant de morts, autant de manifestations réprimées. Mais personne ne porte la responsabilité. On n'a pas cette notion de la démission, finalement. Et qui doit porter finalement cette responsabilité? Parce que sous d'autres cieux, un ministre démissionne parce qu'on a vendu des aliments périmés. Un ministre démissionne. Mais on n'a pas cette culture-là ici, en République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi ça craint même. Parce que la responsabilité, c'est les autres. Ce n'est pas celui qui dirige. La responsabilité, ce sont les autres. C'est un déficit du citoyen. Vous avez suivi même avant-hier à RFI. Les combattants de Filimbi qui sont allés séquestrer les gens à l'église. Parce que le comité laïque du Nord qui vous dit non, nous on n'est pas venu avec l'objectif de séquestrer, il nie la responsabilité. Qu'est-ce qu'ils accusent? Non, le comité laïque nous a trahis, comment on nous arrête et puis il ne plaide pas pour nous. Aussi dans notre pays, la responsabilité. Les partis politiques croient que quand on invite les combattants pour une marche, ils n'ont pas de devoir, ils n'ont seulement que de droit. Et nous-mêmes, les pouvoirs publics, nous croyons que la responsabilité de formater les facteurs humains, c'est seulement les pouvoirs publics. Les églises aussi, ils oublient que le formatage des facteurs humains, c'est aussi, même pendant la sensibilisation du processus électoral, le plus souvent, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a que les structures du gouvernement. Les partis politiques oublient qu'ils ont... Mais dans cette logique où nous avons 50-50, église 50, parti politique 50. Et quand on va rechercher les responsabilités, Kabound aujourd'hui accepte qu'ils ont 50-50. Est-ce qu'il peut accepter qu'ils soient, si du moins les pouvoirs publics et les pourchasses, c'est comme quelqu'un qui a fait un deal avec l'église catholique et 50-50, on va dire quoi? On va dire non, personnalité emblématique. Voyez un autre concept né emblématique, c'est-à-dire exemple du droit. Nous voulons aller où? Dans cette fuite de responsabilité, il n'y a pas seulement que le pouvoir. Mais aussi les partis politiques. Vous réclamez que nous avons fait une manifestation, ça a réussi, ça n'a pas réussi, Kabila est parti, Kabila n'est pas parti, 50-50, peut-être l'enveloppe serait venue, vous devez vous répartir le gain. Mais maintenant, si c'est pour pourchasser, pour connaître pourquoi les gens sont partis mourir à l'église, là, ça devient UDPS, ça devient UNC, ça devient ceci, acharnement, régime dictatorial. Okay. Il faut qu'on sache que nous voulons construire la République ou pas. 50-50, c'est un partenariat, une collaboration entre l'église et l'opposition. Ça veut dire qu'en réalité, l'opposition est essoufflée et s'accroche derrière l'église, c'est l'église qui a pris le relais. Je suis de ceux qui étaient malheureux quand j'ai suivi M. Jean-Marc Kabound dans l'émission de votre consoeur Sylvie Bongo. Je crois que, et j'espère que c'est le temps lapsus et il doit retirer ça. Nous devons avoir du respect au comité laïque de coordination. S'il a assumé, alors c'est malheureux, c'est que lui-même ne comprend pas la dynamique qui a été enclenchée depuis le 31 et je comprends pourquoi ils sont tout simplement marginalisé. Il se marginalise lui-même, mais la société est dans une autre dynamique et c'est malheureux pour lui. À ce niveau de responsabilité, il ne peut pas tenir des langages comme est-ce ça. Moi, je n'ai jamais été complaisant avec qui que ce soit. L'opposition ne peut pas s'associer. Maintenant, la difficulté, c'est laquelle? Vous n'êtes pas en train de comprendre la dynamique qui s'est enclenchée le 31. Qu'est-ce qui est intervenu le 31? Il y a un accord qui a été signé en décembre 2016. Et tous, nous avons eu la volonté d'accompagner cet accord pour donner à Kabila une année pour nous amener aux élections et obtenir l'alternance démocratique. Mais au lieu qu'on aille dans la paix à ces élections, le président de la République, M. Kabila, avec ses amis de la majorité, ils ont multiplié des subterfuges, ils ont multiplié des entraves pour que cet accord ne soit pas appliqué. Nous avions insisté
que si vous voulez que nous allions à des élections libres, démocratiques et transparentes, il faut appliquer le chapitre 5 relatif aux mesures de décrispation pour que les exilés politiques rentrent dans leur pays en homme libre, pour que les prisonniers politiques soient libérés et que chacun concourt au scrutin tel que nous nous sommes convenus dans l'accord. Mais ça n'a pas été fait. Au contraire, on a encore multiplié des mesures de rétorsion, des marches ont été interdites, des meetings ont été interdits. Vous vous rappelez notre meeting du stade Vélodrome qui a été interdit jusqu'aujourd'hui. On ne nous a jamais dit pourquoi. Parce que tout simplement, on ne veut pas que l'opposition s'exprime, on ne veut pas que l'opposition se prépare aux élections en toute sérénité. Et donc c'est pour ça que nous avions dit, le 31, que pour nous, il était question de l'application du chapitre 5 en ce qui concerne les mesures de décrispation pour qu'on aille aux élections, parce que finalement la date du 23 décembre, pour nous, nous avons estimé qu'il faudra plus que nous puissions dépasser cette date du 23 décembre 2018 et qu'il faut qu'on aille vite aux élections. Mais notre volonté à vouloir arracher ces mesures de décrispation, la réponse du pouvoir, ça a été la brutalité la plus inouïe. Non seulement les 31, mais aussi le 21. Alors vous dites, partenariat, l'opposition est essoufflée. Ce que vous ne comprenez pas, et ceux qui disent ça, ils ne comprennent pas ce que signifie une opposition. L'opposition n'est que le relais des aspirations profondes d'un peuple. Et nous ne sommes pas en train de dire que nous accompagnons ou parce que nous sommes essoufflés, il y a une certaine, il y a l'Église catholique qui vient. Non, il s'agit d'une dynamique, c'est comme à la veille de l'indépendance, en 1960. Toutes les forces vives de la République s'étaient réunies à la table ronde de Bruxelles. À la table ronde, il n'y avait pas que les politiciens. Il y avait des représentants de la communauté qui étaient à la table ronde de Bruxelles. Et aujourd'hui, la dynamique qui s'est enclenchée, c'est comme à l'époque, à la veille de l'indépendance, vous vous rappelez, avec les manifestes de présence africaine. Il y avait une volonté avec le cardinal Malula. Il y avait une volonté d'aller à l'indépendance et on a galvanisé tout le monde pour qu'on obtienne l'indépendance. Et que aujourd'hui, c'est le concept alternance qui est en vogue et qui mobilise non seulement les élites. Vous voyez des hommes, des grands historiens comme les Isidore Ndaïwel, les professeurs Okana, Madame Léonie, Thierry Landou, Vital Kamerhe, attendez, et c'est là que je vais terminer, aujourd'hui Vital Kamerhe n'est pas que président d'un parti politique, c'est un penseur. Aujourd'hui, en ce qui concerne la crise congolaise, il est consulté au plus haut niveau. Et c'est à ce niveau que je voudrais que des gens comme Kaboun comprennent que ici, maintenant, c'est l'intelligence qui est en jeu. Et la mobilisation du peuple congolais, ce n'est pas un problème de l'Église catholique. Quand vous allez dans les églises aujourd'hui, l'Église catholique, pratiquement les messes à la veille des manifestations ou les jours des manifestations, c'est comme l'écuménisme. Vous trouvez les musulmans, vous trouvez les protestants. Moi-même, je suis protestant. Mais ces jours-là, je vais à l'Église catholique parce que nous estimons que c'est une dynamique qui donc a commencé. Donc, c'est dans ce cadre de 50-50 que vous vous retrouvez à l'Église. C'est de l'aberration la plus totale et c'est une tricherie que de vouloir parler de 50-50. Il s'agit de la volonté d'un peuple. L'Église a mis le cadre, la messe. Vous êtes allé à la messe. Vous reconnaissez, vous, avoir été à la messe, ça veut dire que vous n'êtes pas allé non, pour prier. Non, c'est qu'ensuite, accompagner les marcheurs. Les messes, nous devons les considérer comme les points de rencontre. C'est-à-dire, l'Église nous offre les cadres parce que nous sommes... Vous dites la même chose que Kaboun. Ce sont les laïcs Vous dites la même chose que Kaboun. Attendez, s'il vous plaît. C'est comme si vous faites... Vous mettez tout en un pour ne pas me comprendre. L'Église... Si vous voulez, c'est les comités laïques. Ce n'est même pas le clergé qui est appelé aux manifestations. Le clergé est en train d'accompagner la volonté des laïcs. Et ces laïcs-là, nous pensons que nous, en tant que force vive de la République, il faut accompagner. Et donc, parler de 50-50, 60-40, 90-10, c'est tout simplement de l'aberration. Il s'agit de la volonté clairement exprimée par le peuple congolais. Il y a l'Église protestante qui a aussi monté les tons. Il y a les musulmans qui ont monté les tons. On apprendrait que même les kimbanguistes ont emboîté les pas. Nous n'avons pas encore vérifié. Il y a un communiqué qui a circulé dans les réseaux sociaux. Mais c'est tout simplement une dynamique. Et c'est lui qui ne veut pas s'inscrire dans cette dynamique. Il est donc en marge de la société. Et le pouvoir le sait très bien que cette dynamique aboutira, quel qu'en soit le prix.
Parce que déjà, certains d'entre nous ont payé le prix le plus fort et j'encourage la dynamique de continuer. Est-ce que l'opposition est en synergie? L'opposition est en synergie, pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit de l'état d'esprit. Ici, comme je vous ai dit, nous sommes comme à la veille des indépendances. Ici, nous sommes à la veille de l'alternance démocratique. Le départ de M. Kabila. Et ça préoccupe tout le monde, clergé, laïc, protestant ou musulman. Tous nous sommes préoccupés par l'alternance démocratique dans notre pays. Et donc, cette dynamique, il faut la mettre dans cette logique-là pour la comprendre. En dehors de ces cadres-là, vous êtes en train de vous perdre en conjecture et vous n'allez pas vous en sortir. Albert Dieka, à la majorité présidentielle, qu'est-ce qu'on en dit finalement lorsque le secrétaire général de l'UDPS le déclare qu'ils sont en association avec l'Église catholique, 50-50, est-ce que ça craint au niveau de la majorité? Parce que si vous avez l'Église contre vous et l'Église qui s'associe à l'opposition, c'est une guerre perdue d'avance pour vous. Parce que c'est vrai que le pays est laïque selon sa constitution, mais majoritairement chrétien. Chaque fois que vous parlez de l'Église, il faut ajouter catholique. Il ne faut pas parler de l'Église qui est contre nous. Et si l'Église est contre nous, c'est que l'Église a perdu la première fonction de l'Église. Pas contre vous, mais l'Église est lutte contre la vérité. Jésus pour un prêchait, état de droit, Jésus, quand il prêchait, pour une justice. Jésus est venu avec la mission de changer le diable en saint. Et si l'Église devient contre nous, vous comprenez alors, c'est pourquoi nous disons, mais pas toute l'Église, certains responsables de l'Église catholique veulent revenir sur le crime originel de 1960 en faisant la guerre à Lumumba. J'aimerais d'abord préciser certaines idées dans la tête de Billy. Billy, l'accord de Saint-Sylvestre n'a pas été nominal. Il y a effectivement des clauses qui étaient à la dimension de Tshisekedi, que son âme repose en paix, mais il ne faut pas nous faire croire que parce que Félix n'a pas été premier ministre, donc l'accord n'a pas été appliqué. Tshibala et les autres ne sont pas nés de la cuisse de l'UMC, ils sont venus de l'UDPS. J'aimerais vous dire que il faut pas seulement évoquer les concepts d'exilé politique. Il faut connaître exilé pour quel fait. On n'est pas exilé politique pour le fait de droit commun. Le pouvoir n'a jamais interdit le marche. Le pouvoir vous a demandé de réunir les meilleures conditions pour encadrer. Mais comme vous avez dit que le 50-50 avec l'Église catholique, vous sortirez de 250 paroisses, sans déterminer que vous sortez de telle paroisse pour se limiter à telle paroisse, le pouvoir public a décliné la responsabilité de voir les gens sortir de plus de 250 paroisses. Est-ce que c'était ça la stratégie de ce que nous avons dénoncé en disant c'est de putsch, c'est un coup d'état, c'est un coup de force qu'on veut faire? Je veux encore préciser une idée dans votre tête, qu'à la table ronde de Bruxelles, on n'a pas réparti le pouvoir. La table ronde de Bruxelles, les gens se sont accordés sur les principes et les pouvoirs qui est venu le gagner, ce sont les élections. Ce sont les élections qui ont venu trancher les problèmes pour que Lumumba soit Premier ministre. Contrairement à vous ici, on a été à Saint-Sylvestre, il faut que je sois Premier ministre, il faut que l'autre soit caissier, il faut que l'autre soit au Parlement. La table ronde n'a pas fait cela. Mais vous dites que l'Église nous offre le cadre. Effectivement, c'est ce que dénonce l'accord de siège dans son chapitre 6, paragraphes 3 et 4. Allez relire, j'ai fait le débat avec vous, vous ne voulez pas consulter ce texte, pourquoi? Effectivement, le Vatican interdit qu'on offre, que l'Église offre le cadre comme sépulcre politique. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez invité la politique à l'Église. Vous affirmez encore aujourd'hui comme Kaboun que l'Église vous offre le cadre. Les stades, ce ne sont plus les cadres. Vos sièges de partis politiques, ce ne sont plus les cadres. Les rues ne sont plus vos cadres. Vos cadres deviennent maintenant les paroisses où vous avez appris tous à acheter des chapelets et à réciter « Je vous salue Marie ». Non, ce n'est pas ça. C'est pour cela que nous reprochons au cardinal. Nous avons compris que c'est du service après job. Et c'est pourquoi peut-être il ne faut pas minimiser ce que Kaboundou dit. Quand Kaboundou dit 50-50, c'est le langage du négoce. C'est-à-dire, il y a une dividende après un travail fait, il faut qu'on se partage. Alors Kaboundou veut situer à quel degré l'UDPS a participé au deal. Il ne faut pas négliger cela. C'est peut-être une enveloppe, c'est revenu comme on voit dans les réseaux sociaux, et que peut-être le cardinal n'a pas bien assuré la distribution, que maintenant la rétribution de chacun pose problème. Sauf que je ne comprends pas si l'UMC n'a pas été compté parmi les dividendes. Je veux terminer en disant sa mauvaise définition de dire l'alternance, c'est le départ de Kabila. Pourquoi l'UMC ne s'est pas retrouvé avec le cardinal? Le malheur d'appartenir. Parce que c'est ça aussi ce qui se dit. Madame, le malheur d'appartenir
parvenir à la majorité présidentielle, c'est que tout est réduit au ventre. Tout est réduit au ventre. Vous ne pouvez plus parler des idées pour eux. C'est, il y a un butin qui doit se partager quelque part. Il n'y a plus d'idées. Il y a plus d'idées chez eux. Non, madame. On n'a pas besoin d'argent pour mobiliser le peuple. Le peuple est déjà mobilisé par sa propre misère. Tous ces hommes qui sont en train de sortir, madame, je me demande, vous êtes quand même journaliste et vous sortez quand même les jours de marche. Vous êtes sûr qu'il y a un politicien qui peut donner de l'argent à tous ces milliers de gens qui sortent dans les rues le 21, qui sont sortis le 21 et le 31? Non, madame, du respect au peuple quand il exprime sa colère face à sa souffrance. Je me demande, quelle société sommes-nous devenus, mon Dieu? Lorsque des responsables politiques ne savent plus lire les signes d'un peuple qui crie, c'est la détresse. Chez lui, lui, il habite en Gaba. Mais tu ne vois pas les mamans. Tu n'as pas vu la photo qui a circulé sur les réseaux sociaux, la police, une dame qui n'a que son petit bassin avec du foufou de manioc. Il semble que c'est Mbujimaï. Mbujimaï ou... Quel que soit l'endroit, cette dame, elle est congolaise. Et ce qui s'est passé, ce n'est pas nouveau. On les voit même ici juste à côté de vous. Ici, comment on malmène les citoyens. Donc, je voudrais chuter pour clarifier ce qu'il vient de dire. Ne soyez pas plus catholique que le pape. Le pape lui-même a reconnu que ce qui se passe au Congo, c'est le devoir de l'Église et il a encouragé que ça doit continuer. Le nonce apostolique, le représentant personnel du pape ici, avait fait même un communiqué pour reconnaître le droit des laïcs. Parce que si l'Église ne s'intéresse pas à la situation sociopolitique de son pays, c'est-à-dire c'est une Église qui a démissionné. Okay. Je voudrais chiter par là pour dire, je voudrais dire à M. Albert Dieka qu'il n'y a pas de confusion. Quand j'ai parlé de la table ronde de Bruxelles, je n'ai pas dit que les gens étaient partis pour se partager le pouvoir. C'était le principe pour la démo, pour l'indépendance. Mais ici aussi, l'accord de la Saint-Sylvestre, je sais justement vous encore vous. Vous avez suivi Mauve dans les enregistrements qu'on a suivis. Que non, le gâteau, il est devenu petit. Parce que toujours vous, tout doit être réduit au ventre. Nous n'étions pas partis signer l'accord de la Saint-Sylvestre pour le pouvoir. Pour nous, c'était un accord électoral. Et quand nous disons, parce que vous voulez contester le concept d'exilé politique, mais c'est dans l'accord. Vous dormiez quand vous signiez l'accord ou comment? C'est dans l'accord que nous avons spécifié les cas emblématiques de Moïse Katumbi, Moussa Yamoussi, des gens qui devaient revenir dans leur pays en homme libre, Mouyambo, Diomi, et Franck Diongo. Très bien, Ils étaient définis, donc il faut arrêter de faire de l'amalgame pour dévier la vigilance du peuple. En parlant du pape, c'est justement dans ce cadre que le pape a demandé une intention, de prière, une messe qui sera dite le 23 février prochain, spécialement pour le cas de la République démocratique du Congo. Mais quand Billy Kambali Albert Dieka parle de l'AMP qui ne voit que le ventre, etc., je crois que vous avez suivi, sinon, l'interview de l'ex-premier ministre Adolphe Mouzito, le député national, accordé à une radio de Kinshasa, où il dit que la majorité présidentielle pour lui finira un peu comme le MPR, parce que ce n'est pas autour d'une idéologie politique que les gens se sont regroupés, mais plutôt pour un partage des postes en République démocratique du Congo, et que lui voyait la fin de la majorité présidentielle comme la fin du MPR. Chacun a sa lecture, surtout pour un cadre d'un parti que je respecte, le PALU, qui est un parti de tendance lumumbiste. Il peut juger la majorité qui n'est pas un parti politique. C'est une coalition. Et je ne sais pas comment il compare son parti à la majorité. Tout comme moi aussi, je ne peux pas comparer la CCU, parti lumumbiste aussi, à la majorité. Il peut ne pas avoir raison dans ce qu'il est en train de dire. Mais il faut faire attention. Vous voyez que même dans ce que Billy dit, il n'y a pas seulement que Kabound qui l'a dit, la façon... Parce qu'il parle du peuple. Mais les responsables politiques disent comment ils réussissent le marche. Souvenez-vous quand Félix avait parlé le jour où il a plu. Il a dit quoi? Le dispositif n'a pas marché. Je me retrouve ici seul.
comme les gens qui bloquent les bus depuis 5 heures n'ont pas fonctionné, vous comprenez comment ils réussissent leur marche. Parce qu'il dit, les masses sortent. Eux réussissent leur marche en intimidant les transporteurs depuis 5 heures du matin. Aucun transporteur ne peut sortir sinon on va brûler votre bus. Est-ce que c'est cela le peuple? J'attends que Billy soit au pouvoir demain pour qu'on ne voit aucune femme entrer de vendre du foufou, parce que quand on voit quelqu'un entrer de vendre du foufou, c'est le signe de pauvreté. J'attends qu'il prenne le pouvoir. Donc, la stratégie est la même. La stratégie de l'instruction. Ce ne sont pas des militants à eux qu'ils appellent. C'est de l'intimidation. C'est de la brutalité. C'est ainsi toutes nos marches, ou leurs marches, aboutissent toujours par mort d'homme, par des casses, par des incendies. Je vous ai donné un cas à Goma, où les gens de Filimbé et de Lucha sont allés séquestrer un prêtre parce que le prêtre ne voulait pas prendre les devants pour marcher avec les fidèles. Est-ce que ce sera vraiment me dire que voilà, tout le peuple est derrière? Réussissez au moins une marche. Ou vous appelez les gens volontairement. Je suis désolé, vous avez vu dans d'autres provinces à Kinshasa. Mais entre eux, les prêtres qui entre eux, qui disent, qui réclament même une transition maintenant de 2 ans, et nous qui disons non, allons vite aux élections. Qui travaille pour le ventre? Qui travaille pour le ventre? Qui travaille pour le ventre? Et je vais chuter, excusez-moi, parce qu'il a parlé que il a défini l'alternance en disant l'alternance aujourd'hui, c'est le départ de Kabila. Voilà encore une définition tronquée de l'alternance. L'alternance, ce n'est pas le départ de Kabila, parce que Kabila peut ne pas être président de la République. Il y restera toujours, il aura une famille politique, donc il ne va pas partir. Déjà que son l'alternance, ce n'est pas ça. L'alternance, okay. C'est consulter le peuple pour que le peuple confie la responsabilité de la gestion de la cité à qui il veut. Déjà que le dauphin de Jean-Marc, ce n'est pas transition sans Kabila, non. Au mois de juillet que son dauphin sera connu, parce que c'est au mois de juillet que... Moi, ça m'étonne. Le fait que l'opposition s'accroche à cette histoire de manque ou de présence de dauphins prouve qu'ils ont peur. Parce que nous, on n'a pas de dauphin, mais qu'ils se délectent. Ça sera une manière facile, comme du couteau dans les beurres, de prendre le pouvoir. Ça veut dire qu'à la majorité, il y aura un dauphin, peut-être au mois de juillet, qui sera connu. Pourquoi inévitablement pas? Quand nous vous disons que nous allons conserver le pouvoir, est-ce que ces gens nous comprennent? Il faut qu'on parle dans quel langage, qui était là ou quoi? Quand ces gens nous leur disons que nous allons conserver le pouvoir, est-ce qu'ils n'attendent rien? Quand nous disons nous allons conserver le pouvoir, c'est-à-dire nous allons lâcher le pouvoir, nous allons le conserver démocratiquement, c'est-à-dire on n'aura pas un dauphin. Pourquoi il faut une question qui est interne, leur focalisation? Billy Kambalé, la question de la transition, d'abord ça, est-ce qu'elle est toujours à l'ordre du jour, à l'opposition? Non, il ne faut pas abuser de la patience du peuple congolais. Nous devons aller aux élections le plus vite possible. La bataille que nous avons commencée le 31, c'est pour qu'on y arrive le plus vite possible. Si Kabila continue à plomber le processus, je crois que le peuple congolais est en devoir même, conformément à l'article 64, de disposer de son droit pour effectivement arriver à le déboulonner du pouvoir, parce que nous devons arriver à mettre un terme à cette dictature qui va s'installer au pays. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, donc la question d'une transition, elle est déjà réglée. Nous avions parlé de l'accord de la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce que les gens demandent aujourd'hui, M. Dieka? C'est que l'on vous demande appliquer l'accord. Il est appliqué. Appliquer l'accord signifie le chapitre 5, parce que l'accord, pour nous, ça n'a jamais été un accord de partage de pouvoir. C'est un accord électoral. Et donc pour vous aussi, pour aller, l'accord n'est pas appliqué, surtout parce que les mesures de décrispation ne sont pas appliquées. Madame, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Regardez toujours comment ils font tout sauf ce que les gens attendent qu'ils fassent. Les prisonniers politiques sont connus. Vous en avez... Qui a été libéré de tous les prisonniers politiques que vous connaissez, madame? Parce non, soyons honnêtes. Parce que qui est prisonnier? Quel est le prisonnier politique qui a été libéré? Parce que qui est prisonnier politique? Qui sont prisonniers politiques? Ce sont des gens qui ont été arrêtés arbitrairement, soit on fomente un procès pour mettre à l'écart un adversaire politique. Qui c'est fait? Connu, Albert Dieka, tu le sais, il ne faut pas faire semblant. Diomine Dongala, on avait fomenté un procès contre lui. Il y a Franck Diongo qui avait manifesté son droit en disant que pour moi, le 19 décembre, c'est la fin de M. Kabila. Il était sorti dans la rue, mais on va fomenter des complots avec les histoires de la garde républicaine et machin truc.
Et tout ça pour chercher à le coincer. Il est aujourd'hui en prison. Et il y a Muyambo, une affaire de Stéléona, une affaire qui pouvait même se régler à l'amiable, sans qu'il y ait des interférences du pouvoir. Mais ils ont manipulé des dossiers pour chercher à anéantir les adversaires politiques. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, tout ce qu'il demande, c'est un procès équitable. Tout ce qu'il a demandé, c'est un procès équitable. S'ils veulent, on dit qu'on les laisse venir en homme libre. Et que s'ils ont des choses à lui reprocher, la procédure peut poursuivre son cours normal. Mboussa Nyamouissi, leur service le menace de l'arrêter. Nous leur disons, laissez Mboussa Nyamouissi revenir dans son pays en homme libre et qu'il exerce ses fonctions. J'ouvre une petite parenthèse avant de revenir. Que vous avez d'ailleurs. Quelqu'un disait que pour la majorité présidentielle, tout sauf Katumbi. Non. Je n'aimerais pas faire un débat de personnes, même les personnes les plus immorales. Moi, je n'aime même pas faire ça. Vous parlez d'immoral. Non. C'est trop fort, ça. C'est trop fort, je sais ce que je dis. Des gens à qui on a confié des responsabilités dans ce pays, dans un secteur sensible comme la décentralisation, incapable d'initier même une réforme. Il n'a que le sang sous ses mains. On me cite aujourd'hui comme exemplaire emblématique des démocraties réfugiées politiques. C'est dommage. Ils doivent être aussi nombreux. C'est dommage. Même les gens que eux, parce que maintenant l'avocat qui a plaidé en charge du violeur, ça se trouve de leur côté. Calombe, qui est sorti avocat ici dans une université périphérique, hein, au lieu de dire merci Kabila a stabilisé le pays, qu'il a permis quand même de finaliser son cursus académique, il est en train de tirer à boulet rouge. Mais qui était l'avocat qui avait plaidé en charge? Qu'ils nous disent aujourd'hui comment il a plaidé en charge contre le violeur. Non, il y a des infractions qui sont codifiées. S'il parle d'arrestation arbitraire, l'arrestation arbitraire c'est une infraction aussi. Moïse Katumbi est sorti comment? C'est le pouvoir qui a autorisé sous sa demande en disant il veut aller se faire soigner un faux malade. Il est parti, il n'a qu'à revenir. S'il a été condamné par défaut ou quoi, mais il n'a qu'à revenir terminer la procédure. En quoi il devient emblématique? Parce que maintenant tout le monde vit de profondeur de sa poche, où paraît-il, l'enveloppe qu'il a envoyée maintenant entre les laïcs et l'UDPS. Et vous, peut-être on vous a oublié, vous ne savez pas, vous êtes maintenant en marge. Malgré que vous avez acheté votre chapelet pour occuper les premiers bancs, pour être servi de premier apôtre de libération spirituelle du Congo. C'est quelle ironie, vous êtes tenté de vous moquer de qui les infractions sont codifiées dans notre pays. S'il y a quelqu'un qui s'estime que ce n'est pas le Stéléona, que ce n'est pas ceci, il ne suffit pas de l'insérer comme emblématique pour qu'il devienne un citoyen spécial par rapport à nous autres, pour que nous ne soyons pas des citoyens. Est-ce que vous, là, le pouvoir, c'est que vous parlez matin, midi ou soir, le pouvoir a pu fabriquer une infraction pour venir ramasser Billy Kambale et Stéléona? Non, il ne faut pas être l'avocat du diable. Oser toucher à la garde républicaine dans n'importe quel pays, même à un policier, nous ne parlons même pas de garde républicaine. La MONUSCO est allée là-bas pour le camp de Franck Diong. Pourquoi il n'est pas intervenu? Pourquoi il a compris que ce n'était pas de leur responsabilité? Parce qu'il a poussé les pions plus loin. Vous savez, l'excès, nous, il est allé plus loin. Aujourd'hui, ça devient emblématique, politique, quelqu'un qui a des droits plus que d'autres citoyens. Non, sincèrement, Billy, il n'y a que les élections. À l'allure où nous sommes, au niveau où nous sommes arrivés, vous et nous, si le peuple ne tranche pas, on n'aura pas la paix. Parce que si vous prenez le pouvoir là, avec votre slogan de transition sans Kabila, nous allons vous combattre. Je suis peiné que ce soit un membre du parti de M. Mende qui parle ainsi de Mboussa Nyamouissi. Reconnaissez quand même que si Mende a été rapporteur du Sénat de la transition, c'est grâce à Mboussa Nyamouissi. Mais je dis là, il parle d'initier une réforme. Quand vous dites que Mboussa a du sang sur les mains, donc Mende a du sang sur les mains, parce qu'il a été au RCD Goma, il a été formé au camp Kamiya Kigali, on l'a vu, il a été nommé colonel, il a été parmi ceux qui ont pillé. Il a été militaire avant M. Kamel, je vous informe. Il a été militaire avant. Attendez. Il a été en Ouganda, il a été en Libye, il a été dans les rangs du MRC, il a été militaire avant d'être au RCD. Ça, je vous informe, vous pouvez continuer. Donc, il a aussi le sang sur ses mains. Donc, de ce côté-là, vous n'avez pas de leçons à donner à Mboussa Nyamouissi, s'il vous plaît. Un peu de respect à ce leader qui s'est sacrifié. Il a été le premier à participer à la réunification du pays à l'époque. Et ça, l'histoire le retiendra toujours. Donc, revenant de la question des prisonniers politiques et des exilés, c'est pas moi qui l'ai dit.
C'est un accord que vous, vous avez signé. C'est pas aujourd'hui que vous allez nier. Vous avez vous-même signé l'accord qui définit toutes ces personnalités que je viens de citer ici comme des prisonniers politiques et des exilés. Politique. Tout ce que nous vous demandons, respectez vos engagements librement souscrits. Quand vous l'entendez parler, est-ce que vous sentez que ce point de l'accord sera respecté? C'est ce que j'ai dit. Tu sens qu'il y a la malveillance et la mauvaise volonté. On peut revenir sur l'accord. Ils ne veulent pas tout simplement appliquer l'accord. L'accord. C'est tout simplement ça. Deuxièmement, mais vous avez eu votre temps de parole, s'il vous plaît. Vous avez eu votre temps de parole. Monsieur Albert, laissez-moi parler. Je voudrais dire encore, monsieur Albert Dieka, ses pères, tu t'es père pour rien. Demande tout simplement à ton camp de respecter les engagements librement souscrits. Quand vous dites que vous, vous êtes prêt pour les élections, vous irez aux élections. Mais c'est faux! Si vous aviez la volonté d'aller aux élections, il y a un comportement que vous devriez adopter. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué que de dire aux Congolais que l'accord qui est là, nous allons le respecter scrupuleusement en ce qui concerne les mesures de décrispation? Mais vous avez libéré Bagayamoukwe, vous avez libéré Mbonekoube. Mais pourquoi les autres, vous ne voulez pas les libérer? Puisque les charges contre, les charges contre Bagayamoukwe sont même plus lourdes que Franck Diongo aujourd'hui, que vous dites qu'il avait séquestré. Merci, monsieur le juge. Attendez. Vous dites qu'il avait séquestré des gardes républicains. Mais ce qui était reproché à Gustave Bagayamoukwe, c'est d'être à la tête d'une rébellion. Mais il vient d'obtenir libération. Parce que tout simplement. Ça veut dire que les autres viendront parce que Non, madame. Il y a. Le ministre de la justice, il y a de la sélectivité. Ce que nous avons toujours condamné, c'est que nous avons toujours condamné de la part du pouvoir. Tout ce que nous avons toujours condamné de la part du pouvoir, c'est qu'ils veulent que les gens soient leurs esclaves. Alors, je vous donne un cas le plus flagrant. Monsieur Katebe Katoto, poursuivi par la justice pour crime à Lubumbashi. Mais parce qu'il s'est rendu avec armes et bagages à la majorité présidentielle, lui peut rentrer dans son pays un homme libre. Mais Moïse Katumbi, qui est juste accusé par une affaire bidon et banale, dont d'ailleurs la personne de Katebe Katoto lui-même disait que cette affaire, ce n'est même pas mon frère, c'est moi. Mais lui, il rentre en homme libre, mais Moïse Katumbi doit rester. Très bien, Billy Kambale. Finalement, je voudrais parler du processus électoral, Billy Kambale. Si à la majorité, le dauphin, le candidat de la majorité sera connu au mois de juillet, à l'opposition aussi, c'est la même chose. Mais la question, c'est est-ce qu'il y aura une candidature commune pour l'opposition? Madame, là n'est pas le problème. Même à 1000 candidats de l'opposition, la majorité sera toujours perdante. Personne ne peut voter pour la majorité. Il y allait aussi en ordre dispersé à l'opposition. Vous pourrez aussi un grand risque. Non, en 2011, il y avait deux candidats de l'opposition de points et Tshisekedi l'avait remporté. Ce processus. Ici, le problème, et c'est là que je vais attirer l'attention du peuple congolais, donnez votre suffrage à quelqu'un qui sera capable de faire respecter votre suffrage. Ça veut dire quelqu'un qui n'aura pas peur de la majorité après avoir apporté votre victoire. C'est-à-dire qu'il faut adhérer au processus électoral. Ça veut dire à la machine à voter. Ça veut dire non, d'abord cette machine à voter, cette machine à voter. On va voter avec la machine. C'est en réalité une machine à tricher. Mais on va voter avec la machine. On a déjà récusé et nous allons continuer à nous battre. Mais avec quoi vous allez voter la machine, s'il vous plaît, utiliser la machine à voter. S'il vous plaît, madame, nous allons nous battre. La mobilisation qui a commencé le 31 va continuer. Nous allons nous battre jusqu'à sortir la dernière énergie qui sera dans nos entrailles pour faire en sorte que cette machine ne puisse pas être appliquée parce que c'est une machine à tricher. Les logiciels sont déjà conçus. On ne veut même pas, alors qu'il y a une résolution des Nations Unies qui dit qu'il faut adjoindre des experts qui viennent des Nations Unies à la commission électorale. Encore une fois, le pouvoir est en train de bloquer pour que cette résolution ne soit pas appliquée. On va terminer cet entretien. Parce que tout simplement, l'intention, c'est de tricher. On nous a dit. On va terminer cet entretien. S'il vous plaît, madame. Et c'est là que je vais chuter. Je vais chuter. Vous avez une minute. On nous avait dit que la machine à voter, c'est pour faire en sorte que les bulletins ne soient pas si grands. Mais déjà, vous aviez déjà, avec le seuil et la caution, vous avez déjà réduit le nombre de candidatures. Pourquoi aller encore à des machines?
Des machines qui, en réalité, le peuple congolais, pour cette élection, sera une, nous serons des cobayes. C'est une machine qui n'a jamais fait ses preuves nulle part. D'ailleurs, lors des tests, cette machine est en train de... La Namibie a utilisé la machine à voter. Mais ce sont des catastrophes. Même aux États-Unis, les pays des vieilles démocraties, ces machines sont contestées. Vous vous rappelez de la, du vote d'Al Gore et Bush? On va terminer. On a terminé Albert Dieka, la machine à voter qui est contestée à l'opposition. Finalement, comment aller dans un climat de confiance aux élections cette machine à voter n'a pas confiance? Vous voyez, quand la nouvelle technologie devient synonyme de tricherie, donc il faut rentrer au village. Mais vous avez vu... Parce que vous avez vu... Oui, tous les systèmes ont des inconvénients. Pour expliquer comment on peut facilement tricher... Il vient de démontrer que tous les systèmes ont des inconvénients. Ok. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a mis un signe d'égalité entre tricherie et technologie. Non. Donc, d'ailleurs, pour les comptes de notre pays, vous savez que quand il y a contestation entre les résultats donnés par la machine et le manuel, c'est le manuel qui prime. Bon, M. Billy... C'est nous, ensemble avec vous, qui avons recommandé à la CENI d'imaginer la formule la plus aisée, la plus facile, la plus moins chère pour faire les élections. Parce que ça fait partie aussi des accords. Vous, vous dites non. Nous n'allons pas vous caresser jusque dans le sens de poil de la bête. La démocratie, ce n'est pas l'unanimité. Vous refusez de faire les élections, nous allons faire les élections, le pays va fonctionner. Comme en 2006. Le pays va fonctionner. Le pays ne va pas s'arrêter parce que l'UNC dit nous allons jeter, non, nous allons verser notre sang. C'est ça ce que vous voulez dire. Nous allons verser notre sang. Vous pouvez faire de martyrs, mais alors de martyrs qui n'ont rien comme signification par rapport à la vie de la nation. Il y aura élection. Et la machine sera d'application. Parce que vous ne démontrez pas les failles de cette machine-là. Jusqu'à recommander que les Nations Unies fassent partie de notre CENI. Depuis quand nous allons nous affranchir, oh Lumumba, pourquoi vous êtes mort pour ce pays où les gradués licenciés des docteurs font encore appel aux berges pour venir faire partie de notre commission nationale électorale? C'est une insulte, Billy, arrêtez avec ça. L'ONU ne viendra pas faire partie de notre CENI. Nous allons organiser les élections. S'ils veulent nous aider, oui. Ils ne veulent pas nous aider, nous n'allons pas faire la guerre. Parce que vous n'avez même pas abordé la situation de la maison Schengen. J'allais vous faire voir. Et les Congolais aujourd'hui applaudissent ça, cette mesure. Nous avons pris un peu de... Parce que les gens ne s'imaginent même pas que les Belges ont des intérêts ici. Ils croient que seulement nous qui sommes pauvres qui avons des intérêts là-bas. Mais qu'est-ce que la République gagne en fermant la maison Schengen? Il y a toujours le... Mais quand vous voulez aider quelqu'un, parce qu'ils conçoivent ça sous forme d'aide, ce n'est pas pour autant venir me réclamer mon épouse. Ça, vous allez me tuer. La Belgique a des intérêts ici. Ils ont commencé à régler les problèmes diplomatiques sous la voie de médias. Il y a ce qu'on appelle les réciprocités. Il faut aller à Brazzaville avoir le visa, Billy Campbell. Il prend libération. Vous avez compris qu'il a du mal à répondre à votre question. Quand vous lui dites qu'est-ce que la République gagne, dans ces mesures ridicules. Nous allons retourner à ce pays pour simplement les visas. Le président de leur plateforme, M. Kabila, il est aujourd'hui isolé du monde, mais dans son isolement, il veut isoler en même temps le pays. Une guerre avec l'espace Schengen, le Congo est perdante. Nous, on ne va pas vous laisser blaguer avec la République. Nous allons solliciter le visa territorial. Nous n'allons pas vous laisser blaguer avec la République quand vous le faites. Ouvrez la maison. Ouvrez la maison Schengen, c'est une mesure ridicule. Ne pas avoir à faire la diplomatie. Vous devez y revenir parce que l'espace Schengen est créé sur base d'un traité. Vous ne pouvez pas, vous... Nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. N'importe quelle mesure. L'Union européenne, Vous ne pensez même pas aux membres de l'Union européenne. Je dis tout ça. Monsieur Dieka, cette arrogance va arriver à son terme. Et d'ici là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que le peuple ne se laissera pas faire. Merci beaucoup, Billy Kambalé, président de la Ligue des Jeunes de l'Union pour la Nation Congolaise, le parti cher à Vital Kamerhe et à Albert Dieka, secrétaire général adjoint de la Convention des Congolais Unis, parti cher au ministre Lambert Mende et communicateur de la majorité présidentielle. Ainsi se termine ce nouveau numéro sur les antennes de Numérique à Télévision. Merci à Eric Kalambay, Doudou Kassouba derrière les caméras, Carlos Pacassa à la régie et à Freddy Manzaka
à la diffusion finale de cette émission, disons la régie finale. Merci à Madame Bienvenue Babou, à la direction de programme, et Madame Kikiki Bambi, avec qui nous préparons cette émission. Bonsoir, et à jeudi 13h pour la rediffusion, vendredi minuit. À la semaine prochaine.